Ok, bienvenue, bonsoir sur la Libre Antenne. Donc comme tous les soirs, 21h, minuit. Alors ce soir, émission un peu en deux parties. Hein, une première partie, l'antenne est à vous. Hein, donc salut à tous sur le chat, Alex B, Steve Nou, Attila, Matt, Brausek, Zach Mémarian, Luciano, Hermite, voilà, tous ceux que j'ai vus là depuis tout à l'heure, Fred Boulard, Rabin Desbois. Faye, Macruse, Sa Sainteté, Sainte-Quenelle, bien évidemment, Jimmy Lench et Anissette de Niveau Pawn, Erwan, Crombit, Tortue Géniale, Jarkov, voilà. Toute l'équipe, salut à vous tous. Ce soir, émission Révolution en Europe, parce que comme vous l'avez tous vu, évidemment, il y a des troubles qui se sont... étendu plus ou moins et qui sont en train de prendre de l'ampleur en Espagne où la révolte est en train de passer à un stade de contestation, d'insurrection, un peu les mêmes images finalement qu'on avait vu en Grèce il y a quelques années, qu'on continue à voir, qui cette fois s'étendent, c'est-à-dire des images de violence avec une police violemment prise à partie, les banques prises à partie. Et on sent que l'Espagne est dans une phase de basculement, quoi, une phase où certainement le pays se déstabilise. Alors dans tout ça, il y a le référendum aussi sur évidemment la Catalogne. Alors je précise pour ceux qui ont suivi l'émission hier, je rappelle, c'était pas du tout donc un soutien à la Catalogne indépendante. Hein, c'était en commémoration de la victoire sur le fascisme par les Russes, et c'était l'ambassade russe, enfin la voix de la Russie qui a envoyé ça à Alain Benajam. Donc c'est ce que portent les Russes pour commémorer cette victoire, qu'il a expliqué que ça vient des tsars, etc. Il a expliqué tout. Mais il n'y a rien à voir en tout cas avec le drapeau catalan. D'ailleurs, je rappelle que le drapeau catalan, c'est jaune et rouge. Hein, et hier, les rubans étaient noirs et oranges. Mais bon, sinon, à part ça... ça se ressemblait, si on veut. Et voilà, sinon, qu'est-ce que vous me dites? Commencez pas à vous embrouiller sur le chat, les gars. Restez pisse, c'est le week-end, c'est vendredi. Tout à l'heure, en plus, il y aura Hakim Aube des Bois. Il va nous faire une petite prestation. Donc, tranquille, voilà, on aborde le week-end en musique. En tout cas, des nouvelles aussi de Russie, parce qu'on va préparer, il y aura... la semaine prochaine, parmi nous, il y aura Pierre-Yves Rougeron, il y aura aussi un certain nombre d'invités, dont un spécialiste de la Russie, qui viendra nous expliquer aussi son point de vue sur Poutine. On prépare aussi une émission avec Thierry Messant et Alain Benajam spécial sur la Russie, pour bien comprendre. Et puis ce week-end, dimanche culture spéciale Russie, comme ça, ouais. Vous mettre de la Russie à toutes les sauces, hein, si j'ose dire. Au moins, il y aura de l'information sur la Russie, parce que c'est vrai que la Russie a pris une importance considérable dans les relations internationales. La Russie, elle n'est plus ce pays qu'on nous avait décrit dans les années 80. Hein, vous vous rappelez très bien que c'était l'ennemi absolument à battre, hein, l'ennemi du communisme. Et ces Russes qui, on le sait aujourd'hui, via une stratégie américaine, avec l'Arabie Saoudite, ont fait chuter les cours du pétrole en surproduisant et abondant le marché. Voilà, on me demande Kémi Séba. Kémi Séba aussi, c'est confirmé pour la semaine prochaine. Et on attend aussi la confirmation. Il y aura aussi la semaine prochaine, normalement, Laurent Louis. Bon, c'est une grosse semaine, j'ai envie de vous dire, qui nous attend. Hein. Alors là, on est au pied de guerre en ce moment. Voilà, alors on me dit, Yakov, il me dit Thierry Messant interdit de venir en France ou quoi. Sa vie est en danger en France. Hein. S'il est réfugié en Syrie, ça paraît clair que Thierry Messant, il bénéficiait de protection lorsque c'était encore le régime de Jacques Chirac et qu'il y avait une certaine, encore un semblant de souveraineté, d'indépendance, surtout vis-à-vis des États-Unis. L'arrivée de Sarkozy, c'est la fin de cette ère-là et c'est définitivement... les tenants de l'Empire qui ont gagné ont mis un agent carrément à la tête de la France. Donc à partir de là, Thierry Messant, il ne pouvait plus rester en France, sa vie était réellement en danger, quoi. Il est parti se réfugier au Proche-Orient, il avait de très bonnes raisons et je pense qu'il est plus en sécurité là-bas, ça paraît clair, hein, s'il est parti là-bas. Alors, il y a Alice Bach qui nous dit « C'était violent, les images d'Espagne, il y a des groupes radicaux type Antifa qui foutent la merde comme chez nous. » Oui, il y a une certaine forme de violence, mais
ils n'ont pas besoin de trop se forcer parce que vu la situation du pays, vu ce que le gouvernement, puisque tous les gouvernements d'Europe sont au pas. Donc c'est simple, les gouvernements d'Europe, ils prennent leurs consignes, on leur dit c'est l'austérité, vous tapez dans le budget santé, vous tapez dans le budget éducation, vous tapez dans le budget, tous les budgets sociaux, et ben on se retrouve, hein, vous savez qu'il y a des, voilà, les chiffres du chômage en Espagne, ils sont atroces, hein, ils sont à plus de 50% dans certaines régions. Donc on voit bien que du point de vue de la situation en Europe, c'est en train de véritablement s'effondrer, quoi. C'est évident. Ah. Alors Antite Chemi qui dit cool Kémy Séba, ça fait un bail qu'on l'attend, tu m'étonnes Kémy Séba, on est super content aussi nous de le recevoir et j'imagine que vous aurez beaucoup de questions vous aussi à lui poser. Laurent Louis également, ça fait longtemps qu'on voulait le recevoir, on aura beaucoup de questions à lui poser aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui en ce moment, vous savez, vit des moments difficiles parce que y a une pression qui s'exerce que contre lui évidente, hein, en Belgique et ailleurs. Et il est un peu devenu l'homme à abattre, si j'ose dire. Donc, évidemment, ça fait pas mal de gens qui le recherchent. C'est vrai qu'en Espagne, c'est quand même quelque chose d'assez violent qui se passe, mais eux, au moins, ont le courage, alors qu'en France, nous n'avons pas. C'est James Lynch qui nous dit ça. Eh ben ouais, mon cher James Lynch, je suis assez d'accord. C'est peut-être que oui, c'est vrai qu'ils ont un courage, mais ils sont tellement dans la merde. Peut-être que nous, quand on sera à ce niveau de merde comme les Espagnols, bah on n'aura plus rien à perdre aussi, puis on ira dans Paris comme eux, quoi. Mais c'est vrai que l'Espagne, en plus, elle a vécu sur un espèce de mirage, puisque c'est un pays, comme vous le savez, qui a connu la dictature jusque dans les années 70, enfin une dictature qui était parfaitement tolérée par les dites démocraties, hein, entre guillemets, donc la dictature de Franco. Donc Franco avait mis sa main de fer sur l'Espagne après une guerre, hein, vous savez, la fameuse guerre d'Espagne, une guerre atroce d'ailleurs, hein, qui a causé un exode des Espagnols, beaucoup qui sont venus se réfugier en France. D'ailleurs, voilà, certainement beaucoup d'entre vous, même d'origine espagnole, sont des descendants de ce drame, hein, de cette guerre. Et puis l'Espagne ensuite a été, en fait, Franco a un peu, on va dire, restauré la monarchie, a mis Juan Carlos sur le trône, donc le fameux héritier Bourbon, hein, vous savez, le petit arrière petit-fils de Louis XIV, hein, et descendant direct, hein, vous savez que c'est, on avait donné, Louis XIV avait mis son descendant sur le trône d'Espagne, avec, attention, la recommandation exclusive que toute sa descendance ne pourra jamais revendiquer le trône de France, bien évidemment. Mais pour le coup, quand on cherche un roi direct descendant des rois de France, bah lui, il y est direct, hein, le Ibourbon. Et donc, on s'est aperçu que ce roi d'Espagne, c'est vrai qu'il avait amené, il a restauré une démocratie. L'Espagne est un pays qui ensuite est sorti petit à petit de son retard, parce qu'il y avait un énorme retard de développement, évidemment, par rapport aux autres pays. Hein. L'Espagne, par exemple, dans les années 80, l'Espagne, elle intègre l'Union Européenne à partir de 1986. Donc c'est relativement tard, hein, vous voyez, c'est pas du tout, elle n'était pas du tout à l'origine du projet européen. Hein. L'Espagne a toujours été, justement, très à l'écart. Et puis, à partir de 1986, évidemment, l'Espagne et le Portugal, les deux, intègrent la communauté européenne, hein, la CEE, à l'époque, communauté économique européenne. Et donc, en tant que membre de la CEE, bénéficie largement, évidemment, de ces fonds structurels qui vont développer l'Espagne. Jusqu'à l'apothéose, c'est les années 1992, les Jeux Olympiques, l'exposition universelle de Séville, etc. Enfin, ça a été l'année de l'Espagne, hein, vraiment, si j'ose dire. Et à partir de là, l'Espagne n'a cessé, évidemment, d'être cette terre où on a énormément investi. Ça a été un peu le mirage, et particulièrement la fameuse bulle immobilière. Donc on a construit comme ça des villes partout, en misant à la fois sur le développement et l'endettement des Espagnols, et évidemment sur la carte du tourisme, l'Espagne étant, vous savez, l'une des destinations les plus prisées au monde, évidemment, hein, puisque toute l'Europe débarque là-bas. Vous avez certainement été en vacances, beaucoup d'entre vous, sur la côte espagnole. C'est quand même, c'est un endroit où il fait très bon vivre, hein, très chaud. Alors, d'un point de vue architectural, il faut quand même dire qu'ils ont défiguré la côte, hein, pour ceux qui connaissent, hein,
les Sandés, toute la côte, elle est complètement défigurée, de la Costa Brava, la Costa Dorada, la Costa del Sol, tout ça est complètement défiguré par, par ces villes champignons qui sont une espèce de nid à touristes, hein, et qui sont un peu tous les mêmes, avec les boîtes de nuit, etc., les machins. Et c'est comme ça que l'Espagne, eh ben, elle s'est construite, et elle a fait son développement. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est une recette qui ne marche plus, puisque l'immobilier s'est effondré, c'était une bulle spéculative qui ne reposait sur rien. Et finalement, toute la croissance, tout s'est effondré. Hein. L'Espagne qui avait misé en plus sur une migration forte, hein, vous savez, donc ils faisaient venir en plus les immigrés de leurs anciennes colonies d'Amérique du Sud, ce qui était une nouvelle immigration, même pour l'Europe, hein, donc les immigrés venus d'Équateur, de Colombie, etc., du Venezuela, du Pérou, vous voyez, des pays d'Amérique du Sud, donc vers l'Espagne. Et le problème, c'est que ça s'est pas très très bien passé, alors d'autant plus que, vous voyez, on va dire revers de la médaille, c'est que, vous voyez, les problèmes que connaissent ces pays-là, en particulier les problèmes des bandes, vous savez, qui sont récurrents hein, dans les pays d'Amérique du Sud, je dis les bandes, mais ce sont des gangs, hein, et ce problème des gangs maintenant est aussi à pénétrer l'Espagne à son tour, évidemment, avec toutes les relations avec les pays d'Amérique du Sud. Donc l'Espagne se retrouve en plus dans une situation catastrophique d'un point de vue économique, financier, sécuritaire. Dire toutes les alarmes sont au rouge. Voilà, le gouvernement est sur une poudrière, la crise de l'euro, elle a failli frôler la banqueroute, on le sait, de l'aveu même de Zapatero, je veux dire, juste avant qu'il quitte, puisqu'il a été, vous le savez, battu dans l'élection par Rajoy, donc le parti, si j'ose dire, bon, c'est l'alter ego de l'UMP, vous voyez, c'est le parti populaire, le PP, hein, donc... C'est voilà la situation un peu en Espagne. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Plein de trucs, les mecs, mais j'ai pas eu le temps de voir. Alors, bon, il y a toujours du troll. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Les dates de Lolo et Kémy, s'il vous plaît, c'est Zémy qui nous dit ça. Oh là là, je suis... Alors, la date de Laurent, elle n'est pas confirmée. C'est-à-dire que normalement, ça sera peut-être une émission spéciale le samedi. Donc ça, on vous tiendra informé, mais ça risque d'être samedi prochain. Et quant à Kémy Séba, si je ne me trompe pas, c'est mardi prochain. Mais je vous redirai ça mardi. Parce que je ne sais pas si c'est une émission lundi, je crois non plus. Oh, ben c'est comme ça, c'est le programme hein, un peu perturbé en ce moment. D'ailleurs, vous voyez, on a même eu les excuses de Bouygues qui nous fait une remise sur l'abonnement pour s'excuser de toutes les perturbations de ces derniers jours, vous voyez, concernant notre connexion. Apparemment, c'était une perturbation générale. Voilà. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. C'est clair qu'en France, on a beau dire, on vit encore bien. Quand on devra ramer pour bouffer comme en Espagne, alors oui, il y aura la violence comme en Espagne. Peut-être 2018-2019. Kiro qui dit ça. Ouais, moi, c'est ce que je pense aussi hein, pour le moment. Et puis, vous savez, ça fait peur. Hein, les Français, je pense qu'on les tient aussi par la peur. Donc personne n'ose bouger, hein. Il y a une espèce de peur quand même qui s'est installée. Et la peur du chômage, la peur de... Bah, vous voyez, on vous met cette pression que ça force. Vous savez, quand on a peur, on est un peu paralysé. Et toute cette peur qui est entretenue, eh ben, elle paralyse complètement le contexte. Alors il y a ceux qui sont sortis de la peur, justement, qui passent dans l'action, mais on sent bien que tout le monde n'est pas à ce stade-là, quoi. Le problème, c'est que les groupes de manifestants n'ont pas de but précis, manque d'organisation au niveau résistance à l'oppression de l'Union européenne. Attila qui nous dit ça, entièrement d'accord. Et comme nous d'ailleurs. Moi aussi, je trouve qu'en France, on manque, comme a dit d'ailleurs, que je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Chouard là-dessus, qui dit préparons-nous. C'est-à-dire que s'il y a un changement, faut pas dire. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant. Il a tout à fait raison. Préparons-nous avant, et quand le changement arrive, on sait ce qu'on demande, on sait vers quoi on veut aller. Et puis, peut-être qu'effectivement, au niveau du discours construit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, il y a une... Comment je pourrais dire ? Il est en train de s'installer l'idée que on cible parfaitement d'où vient le mal et que les causes ne se trouvent pas, on le sait, dans un salut d'une élection nationale, mais elles se trouvent dans... la sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire un électrochoc ultra-violent.
Et ça, c'est une idée qui est en train de germer et qui est en train de s'installer partout en France. Alors cette idée-là, j'ai l'impression que chez les Britanniques, elle est largement majoritaire, ce qui n'est pas étonnant, hein, que même chez les Britanniques, voilà, ils essayent de nous faire croire que les Britanniques seraient encore attachés à l'Europe. Il n'en est rien, on a bien compris, les Britanniques sont voilà, à deux doigts de partir, hein, faut le dire concrètement. L'idée de sortir de l'Union européenne, j'ai pas l'impression qu'elle ait encore assez progressé, justement, dans les pays comme en Italie, comme en Espagne. En Grèce, ils ont tout fait pour l'étouffer, parce que tous les mouvements anti-euro, ils ont été systématiquement déboulonnés. Et puis, comme par hasard, voilà, on parlait d'aube dorée, mais bon, aube dorée, ils apparaissent quand même dans un contexte où, justement, j'ai envie de dire, le cas de la Grèce se pose. Est-ce que la Grèce reste, oui ou non, dans l'Union européenne? Je veux dire, ils apparaissent un peu dans ce contexte-là, puisqu'on en était au point, vous savez, quand c'était les crises absolues, que la Grèce allait faire défaut de paiement. D'ailleurs, ce qu'elle a fait, hein, c'est encore une aberration de l'histoire. Et donc, la Grèce, voilà, quoi, on nous a balancé un parti néo-fasciste, hein, typique, un vrai, et voilà, qui, effectivement, apporte une dimension sociale et porte les véritables idées, on peut dire, de nationalisme, d'attention pour comment dire, les véritables aspirations du peuple, etc. Mais tout ça porté, évidemment, dans une soucoupe bien, une sauce bien nazie, bien hitlérienne, donc quelque chose de repoussant, quelque chose qui ne peut pas être admis. Donc à partir de là, ouais, on voit le schéma. Bizarrement, alors on va me dire en France, on pourrait faire un parallèle, mais c'est vrai qu'on a vu, hein, on voit en ce moment en tout cas une orchestration absolument d'une montée du Front National dans toutes les instances. Alors c'est vrai que le Front National a récolté quelques municipalités, mais on doit aussi, alors ceux qui ont vu l'émission, alors ça fait scandale, il y a l'émission de Marine Le Pen, vous avez vu les paroles et les actes avec David, je sais plus comment on dit là, hein, l'autre là, c'est le petit là qui pose des questions. Et comment dire, Marine Le Pen, alors elle a fait deux grosses apparemment, deux plagiats. Hein, elle a commencé par plagier Magali Pernin du blog Contre la Cour. Donc à la sortie des schémas, elle s'en est inspirée. Et puis elle a aussi plagier donc le schéma qui était le schéma de François Asselineau et de l'UPR qui avait clairement démontré depuis longtemps l'escroquerie de l'élection européenne, avec en particulier le fait que les socialistes depuis 1979 souhaitent changer d'Europe, et ils te démontrent ça tout à fait, etc. Vous savez, c'est quand même le créneau de l'UPR, ils avaient fait tout un dossier là-dessus, et c'est vrai que c'est quand même assez culotté d'avoir repris ce dossier en entier, de l'avoir montré à France 2 devant des millions de téléspectateurs, et s'en être accaparé la paternité, si j'ose dire. Alors peut-être qu'elle pourra se protéger derrière le fait qu'elle ne savait pas, qu'on c'est des conseillers qui ont pu lui transmettre. En tout cas, il paraît évident que ce dossier-là était un dossier complètement issu de l'UPR, un dossier d'ailleurs que je connais très bien moi aussi, et d'ailleurs dossier au demeurant qu'elle a dénaturé. Il y a eu un article d'Asselineau, mais c'est vrai, elle l'a dénaturé, puisqu'elle y évince évidemment la partie qui la concerne, en particulier le fait que le Front National occupe des sièges en fait au Parlement européen depuis plus de 30 ans, et n'a jamais demandé la sortie de l'Union européenne, n'a jamais demandé la sortie de l'euro, et même comme nous l'a confirmé justement, Magali Pernin a voté certains amendements concernant le marché transatlantique. Donc voilà, voilà un peu les nouvelles, si j'ose dire, du mois. Alors, du coup, vous êtes méchant, je sais pas quand, mais j'aimerais bien qu'il réponde. Mais moi, ça me plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pas, tu as des nouvelles de Pascal Seffran? Non, Ardéchois, on ne sait pas, Pascal a disparu. Allô, Houston. Alors, pas, les gens du pop sont des lâches, c'est pour ça qu'ils laissent faire. Ils croient que s'ils ouvrent les yeux, ils seront moins heureux, donc ils acceptent la matrice et prennent la pilule bleue. Erwan 6. Bah oui, c'est plus facile la pilule bleue, comme ça, t'as pas à faire d'efforts. C'est toujours plus dur, évidemment, d'affronter
d'affronter la réalité. Hein. C'est parce que la réalité, c'est un combat. La pilule bleue, c'est une anesthésie. Donc oui, c'est plus facile de dormir que d'ouvrir les yeux, c'est clair. Alors, ils veulent supprimer les nationalités. Il n'y aura jamais de nouvel ordre mondial. C'est Zach Mellerian, il nous cite Margaret Thatcher. Bah ouais. Enfin, il n'y aura jamais, je sais pas, peut-être, hein, parce que là, ils sont plutôt quand même en train de le mettre en place. Mais bon, on verra. Moi, je pense que tout ça va échouer. Tout ça ne prendra pas. Même si la dictature va s'imposer maintenant et de plus en plus, hein, vous savez, j'ai envie de dire à découvert, hein, on ne se cache plus. Alors, oui, j'aime, sans Catalogne, l'Espagne n'existe plus, Barcelone est plus riche que Madrid. QSR, oui, et puis en plus, c'est l'Espagne, je veux dire, c'est la réunion de ces, hein, vous savez, de ces grandes provinces, hein, la Castille, voilà, la Léon, etc. Hein, donc c'est pour ça que, franchement, la Catalogne, c'est vrai que les Catalans, ils ont affirmé leur identité culturelle, et puis ils en ont une, parce qu'ils ont une langue différente. Alors, je suis allé voir, effectivement, cette Generalitat de Catalunya, qui a été réhabilité il y a quelques années déjà, et en fait elle n'existait plus apparemment depuis 1637, quelque chose comme ça. Donc on sent bien qu'il y a eu une volonté quand même de réhabiliter un peu, de réactiver cette indépendance catalane, hein, et cette indépendance qui comment dire, cette indépendance qui a été poussée par l'Union Européenne. On sait bien que l'Union Européenne et son projet d'euro-région, c'est l'éclatement des nations, et que on va dire que ce gouvernement fédéral se retrouve face à des espèces de super-régions qui se passent de la vie des États. Et les États disparaîtront naturellement, puisque de toute façon, ils n'auront plus d'utilité. Hein, ça ne deviendra que des symboles. C'est tout. Mais il n'y a plus d'utilité à l'État. Et donc, cette politique de régionalisation, elle aboutira nécessairement, puisque des pays comme l'Espagne, comme l'Écosse, on l'a vu, hein, ou même aujourd'hui, la France, sont concernés par cette éclosion des nouvelles identités régionales qui demandent et qui sont subventionnées pour établir un véritable séparatisme, mais ils sont en train de l'obtenir d'un point de vue juridique et administratif, puisque de toute façon c'est le projet de l'Union Européenne. Hein, et aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de référendum, c'est, grâce à l'amendement Guémard, tout ça a été supprimé. Donc ce projet d'euro-région, hein, ça on le martèlera sans cesse, c'est un projet de démantèlement des nations. C'est pas un projet anodin, c'est la fin de la France. À partir du moment où l'Alsace se retrouvera avec le Bade-Wurtemberg, etc., et puis une partie même des Suisses, hein, ouais. On en avait parlé d'ailleurs ici avec Oscar Freisinger, qui n'y croyait pas du tout, il disait que tout ça va partir à l'eau selon lui, hein, j'espère qu'il aura raison, mais voilà, on va se retrouver avec les Bretons liés, avec d'éventuels Cornouadiens, et puis des Irlandais dans une espèce de région gaélique, les Basques, qu'on veut réunir avec les Basques de l'autre côté, etc. Donc c'est un découpage petit bout par petit bout, hein, de l'autre côté, la Savoie-Piémont, hein, on est en train de réhabiliter le royaume de Savoie bientôt, puisque vous savez qu'on remet en cause tous les traités, on vous dit « Ah ben le traité de Turin, la France n'a pas respecté, etc. » On est vraiment dans une hypocrisie la plus totale. Donc voilà, moi je dis qu'en tout cas, il faut rester très attentif à l'évolution de tout ce qui va se passer concernant les euro-régions, parce que c'est par là en tout cas que ça arrive, c'est par là que ça se passe pour réellement comprendre le démantèlement de façon pratique, comment il va s'opérer, pour la France, mais pour tous les États. Et je pense qu'il n'y est pas pour rien si les Anglais aujourd'hui sont si hostiles et si méfiants à cet égard de l'Union Européenne, puisque là, ils voient, on en est passé au stade où déjà vous avez retiré des pouvoirs de souveraineté concernant certains secteurs, à un découpage physique. Vous voyez, on est dans les deux dimensions. Hein, on est plus seulement, j'ai envie de dire, presque dans une dimension de l'esprit, hein, et du pouvoir proprement dit, mais c'est physiquement qu'on vient vous agresser cette fois, puisqu'on vous découpe, etc. Voilà. Donc oui, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Alors,
Bertrand du Guesclin, il dit MLP a aussi largement plagié les idées de Jacques Sapir et Mathieu Todd sur le tome, mais il n'y a aussi pas de copyright sur les idées encore pour en tout cas. Bertrand du Guesclin, oui, bien sûr, il n'y a pas de copyright sur les idées. Mais là, pour le coup, vraiment en toute objectivité, hein, il ne s'agissait pas seulement d'idées, justement, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire qu'une idée, elle appartient à tout le monde. Une idée, on ne peut pas difficilement avoir l'exclusivité d'une idée. Il peut très bien que quelqu'un ait la même idée que vous, et on le sait très bien que ça arrive constamment. Donc une idée, effectivement, un raisonnement ou une analyse, elle est partagée par plusieurs personnes. Maintenant, là, on le sait très bien, il s'agissait quand même pas seulement d'une idée, mais de graphiques qui ont été montrés et d'une démonstration imagée et qui avait été clairement prise sur le site de l'UPR. Donc là, il s'agit vraiment plus de développer une analyse ou de reprendre une idée. Je veux dire, c'est comme si on disait bah, l'idée de sortir de l'Union Européenne, c'est Asselineau, bah, il y a un copyright. Bah, tous les gens qui veulent sortir de l'Union Européenne, ils ont copié Asselineau. Non, c'est faux. D'ailleurs, il y en avait d'autres qui avaient eu l'idée, il y en avait plein. Nikonov aussi, il voulait, le PRCF, il voulait, il y en avait plein qui voulaient sortir de l'Union Européenne. Mais là, pour le coup, c'est une analyse que lui, il a mis sur papier, ils ont fait un document là-dessus, et c'est ce document qui a été plagié. Donc là, non, il ne s'agit pas d'une idée, là, il s'agit quand même d'une démonstration qui a été plagiée en plus, qui a été même détournée de son sens, si j'ose dire. Donc, puisqu'elle ne va pas au bout de sa démonstration, c'est la même chose avec les documents qu'elle a pris à Magali Pernin. Donc moi, je pense pas que là on peut pas dire qu'il s'agisse seulement d'une idée, mais bien d'une démonstration avec des documents un peu comme si quelqu'un s'accapare votre thèse, voilà, et présente ça sous sa paternité. Encore, si la personne prend vos travaux, peut les mettre en exemple et s'en servir pour argumenter, mais l'honnêteté, si j'ose dire, en tout cas, l'honnêteté basique, enfin, le fait basique, c'est de mentionner l'auteur du travail que vous êtes en train de citer, voilà, pour ne pas être quand même un imposteur, parce que là, c'est un peu quand même de l'imposture, c'est de présenter un travail qui, pour la majorité des téléspectateurs, et peut-être même au Front National, certains pensent que c'est un travail qui a été effectué par les cadres même du Front National. Bon, ce qui démontre d'ailleurs que Marine Le Pen, comme tout son entourage, sont très en phase avec le monde Internet, très en phase avec la pensée, ce qu'on peut appeler la pensée dissidente, entre guillemets. Voilà, et c'est quelque chose qui a suivi très près. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Sa sainteté, tu me dis, la partition espagnole avec la Catalogne est exactement le début des eurorégions, on est en plein dedans, donc l'Espagne affaiblie qui ouvre le bal. Entièrement d'accord. De toute façon, le principe des eurorégions, il va commencer par découper les plus faibles. Hein, c'est évidemment les pays qui seront les plus à même de s'éclater pour des raisons X différentes. Hein, on le sait très bien. Tous les pays d'Europe sont composites. Tous les pays d'Europe sont. Il y a une forme de composition. Hein, d'ailleurs, c'était proprement hallucinant, même dans ce débat entre Marine Le Pen et Lamassoure, d'entendre Lamassoure nous expliquer que la France fait la guerre à l'Allemagne depuis 2000 ans. 2000 ans. Alors déjà, je demande où il va chercher ce chiffre de 2000 ans. Ah, parce que si on remonte il y a 2000 ans, proprement dit, la France était occupée par les Romains et l'Allemagne était occupée par des Germains qui vivaient hein, dans la forêt de Teutobourg et qui s'habillaient avec des peintures bleues sur la tête. Et je crois pas que la France n'existait pas et l'Allemagne n'existait pas. Donc tout ça, c'est vraiment des vues de l'esprit. Hein, nous dire que la France a toujours fait la guerre à l'Allemagne, mais c'est faux, c'est absolument faux. Oui, il y a eu des guerres entre la France et l'Allemagne, mais évidemment, hein, il y a toujours eu des guerres entre les empires d'Occident et les empires centraux. Mais tout ça, ça découle même, vous le savez, de ce partage qu'a fait Charlemagne hein, avec ses trois petits-fils. Et vous le savez très bien que qu'on s'est toujours battu pour récupérer la partie du milieu et toute cette ligne de fracture entre l'Empire romain germanique et la Francie occidentale. Voilà où elle est l'histoire de cette concurrence, de cette fracture entre la France et l'Allemagne. Mais maintenant qu'on va nous dire, oui, il y a 2000 ans de guerre, non mais là, vous savez ce que... Hein, ça fait penser à ces chiffres, vous savez, 2000 ans, 3000 ans, 6000 ans de guerre, non mais... Faut arrêter quand même, faut arrêter. Et en plus, ils ne jouent que sur ça. C'est-à-dire que les européistes, hein, comme M. Lamassoure, c'est vrai, ils sont incapables de faire le bilan. Ils disent oui, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais il est incapable de dire ce qui est bon.
ce qui est mauvais non plus d'ailleurs. Et donc, il se contente d'être dans le registre de l'émotion, mais ça c'est le registre depuis 30 ans qu'on vous explique le registre de l'émotion, de vous dire « Ah, c'est la guerre entre les pays d'Europe, c'est parce qu'il y a eu cette guerre qu'il faut absolument faire l'Union Européenne, parce que s'il n'y a pas d'Union Européenne, ce sera la guerre. » C'est ça, et c'est un espèce de chantage affectif des peuples, et un chantage en plus qui se réfère à l'histoire constamment, et puis hein, je ne vous parle pas de toute la propagande historique qui va avec. Et donc ça, c'est le seul discours qu'ils ont aujourd'hui pour se protéger. Et évidemment, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? C'est de dire que si vous n'adhérez pas à cette idée d'Union Européenne, vous êtes forcément pour la guerre, vous êtes un esprit belliqueux, vous êtes après, c'est très facile de vous assimiler forcément un extrémiste et donc un nazi et donc un machin. Voilà, c'est ça le système de la grille de lecture, l'ingénierie politique, comment elle fonctionne pour vous imposer l'Union Européenne. Et tout le monde, pour le moment, plongeait, on va dire, dans le panneau de cette Union Européenne, mais au fur et à mesure qu'on avance, on ne voit bien que ça ne tient pas, les masques tombent, on réalise la véritable portée des enjeux, parce que pendant longtemps, vous savez, on nous a parlé, oh ben l'Europe, la croissance, mais c'est magnifique, mais on va ouvrir les frontières, on ne voit bien qu'aujourd'hui, ce monde mondialisé, euro-mondialisé, j'ai envie de dire, eh ben, il est complètement non seulement abject, il y a de l'injustice, et de l'inégalité, il n'a produit aucune croissance, mais du chômage. On a vu même les libertés régresser, ce qu'on n'aurait jamais cru, puisque évidemment, quand on lit leur constitution, oui, la liberté, tout est protégé, la charte des droits fondamentaux, etc., tout ça, c'est du baratin. Évidemment, c'est du baratin qu'on nous a mis sur papier, et puis certains l'ont cru. On a tous cru, même, j'ai envie de dire. Bah oui, parce que quand on lit, oui, tout le monde, la liberté pour tous, qui peut être contre la liberté pour tous? Bah évidemment, personne ne sera contre. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont eu les esprits, avec ces grandes idées générales, des grands slogans, et évidemment des belles phrases. Mais personne n'est en mesure d'appliquer, évidemment, le fond de ce qui a été décidé, puisque ce n'est pas l'objet. L'objet de l'Union Européenne, on l'a bien compris, c'est donc un espèce de grand marché complètement asservi au capital, au néolibéralisme, qui met les peuples en concurrence les uns avec les autres, qui va d'ailleurs réduire le niveau de vie. On voit bien que les Français, qui sont mis en concurrence avec 1 milliard de travailleurs, des Chinois, les Indiens et toute l'Europe elle-même, c'est une folie qui est en train évidemment de nous coûter notre pays, parce que oui, nous, la France, on a tout à perdre, on a le pays même à perdre, hein. Le pays en entier est en train de se perdre, et si on ne réagit pas, eh ben, les euro-régions, ce sera le début de la fin de la République française, ni plus ni moins. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Le FM veut tellement être républicain qu'il soumette mois après mois. Où est l'antisioniste? Pourquoi ne pas parler de l'article 50 de la maçonnerie? C'est Nicolas Dulot. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que disons que hier, elle a pas mal parlé, Marine, quand même, c'est vrai, des euro-régions. De l'Europe, pardon. Elle n'a pas assez parlé des euro-régions. Mais elle a parlé quand même de l'Union Européenne, elle a parlé de l'euro. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu sur ces thèmes-là, parce que on l'a entendu en ce moment beaucoup plus sur l'immigration, sur oui, on va rétablir le port à l'école. Bon, moi, ce sont des thèmes où je trouve on surfe du côté de l'Empire. Alors c'est vrai qu'on m'avait dit aussi qu'ils étaient en train de monter une organisation, le Front National Jeunesse, qui s'appelle YE. Donc Youth European, je ne sais plus quoi, enfin c'est un acronyme encore venu de l'autre côté de l'Atlantique, pour nous expliquer que un peu toutes les organisations dites d'extrême droite se réuniraient pour contrer l'islamisation. Donc voilà, moi je trouve ça évidemment des signes qui la placent dans l'échiquier du côté de l'oppresseur. Je ne vois pas comment on peut faire un grand écart en déclarant en fait le grand patriotisme auquel tout le monde veut aspirer et une fracture qui s'inscrit dans le choc des civilisations et qui est précisément la fracture que l'Empire lui-même veut nous imposer ici, on va dire au niveau national, et en plus au niveau international, puisque évidemment, si on se plonge dans un contexte un peu plus macro-structurel, c'est le logiciel de l'Empire pour créer ces guerres. Donc c'est une position que je trouve difficilement tenable.
Alors, Anissa Nivopoine a dit « Tu invites Kémi Séba la semaine prochaine, or sa vision a l'air d'être proche de l'Union européenne pour l'Afrique. Détruire des nations pour réunir des ethnies est un grand ensemble panafricain. » Anissa de Nivopoine. Oui, on lui en posera la question, mais en même temps, les nations africaines, c'est vrai, n'ont pas la même histoire que les nations européennes. Il faut bien comprendre que les nations africaines, telles qu'elles sont définies aujourd'hui, ce sont des structures héritées du partage colonial, donc qui ne tiennent absolument aucun compte des réalités locales et des réalités structurelles qui étaient déjà en place. Puisqu'il faut bien comprendre, en Afrique, il y avait donc des royaumes, il y avait des empires, il y avait des communautés bien organisées, bien structurées, et tout ça a été détruit. Et évidemment, quand aujourd'hui on regarde une carte de l'Afrique, ça ne correspond en aucun cas à la réalité du terrain, c'est-à-dire à la réalité humaine et géographique. Vous allez retrouver des ethnies, et c'est le cas pour quasiment tous les pays d'Afrique, où toutes les ethnies se retrouvent à cheval sur plusieurs pays, puisque évidemment, le colonisateur, lui, a tracé des frontières à la règle, ne tenant pas compte de ces particularités. D'ailleurs, ça pose des problèmes énormes. Donc, quand Kémi Séba il parle d'une refonte totale des frontières africaines et puis au sens de l'unité, moi j'attends de voir ce qu'il me dit, mais je trouve que par rapport à la réalité africaine, c'est loin d'être stupide. Et d'autant plus que l'Afrique n'est pas confrontée. C'est-à-dire que vous savez, dans cette union africaine, il y a quelque chose aussi de très très différent. C'est que il y a une union linguistique, parce que oui, la colonisation a laissé le français derrière elle, mais aujourd'hui ça forme un espèce de bloc linguistique, et qu'on le veuille ou non, il sera beaucoup plus facile sur la base de ce bloc linguistique, et sur la base en plus d'énormément justement de traditions communes, de pays qui connaissent un peu les mêmes problèmes, de bâtir une union que c'est des pays d'Europe qui sont absolument différents, mais d'une différence les uns les autres absolument marquée. Donc l'Union africaine, bizarrement, moi, elle me paraît beaucoup moins utopique justement qu'une Union européenne en soi. Même si les pays, je pense, africains peuvent... moi j'ai le sentiment qu'ils peuvent faire une union, mais... qui pourra être que linguistique, parce que après c'est-à-dire les pays ça tout a été fait déjà pour ça, que les pays de l'Afrique francophone aient très peu de liens avec les pays de l'Afrique anglophone. Ça c'est très marquant. Alors déjà pour ce qui est de l'Afrique francophone, je vous parle même pas des deux pays de la zone CFA, c'est une aberration totale, ce qui fait que l'ouest de l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique centrale, ce qui est complètement une aberration absolument économique, quoi. Mais oui, moi je trouve que peut-être pour l'Afrique, ce sera plus facile.